Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un point très mignon et vraiment simple puisqu'il s'agit simplement d'alternance de mailles à l'endroit et mailles à l'envers pour faire des petites chenilles horizontales. Voilà, c'est un point qui est très sympa franchement je trouve pour mettre par exemple dans une couverture de bébé, dans une écharpe ou ce genre de choses et ça s'intègre très bien à tout un tas de tricots. Alors, ce point se tricote très bien sur aiguille droite. Moi, j'ai des aiguilles circulaires, mais c'est pour mon confort. Vous devez monter un nombre de mailles divisible par 10. Donc, par exemple, 10, 20, 30. Vous avez compris l'idée. À ce nombre de mailles, vous ajoutez 4 mailles. D'accord. Donc, par exemple, si vous en montez 20, et bien vous en rajoutez 4, ça fait 24. Plus une maille lisière à chaque extrémité, ce qui fait 2 mailles en plus. Voilà. Allez, on va tout de suite attaquer. C'est très simple. On attaque par les 3 premiers rangs. On fait toujours glisser la première maille. Premier rang, tout à l'endroit. 1, 2, allez, c'est parti. Tout à l'endroit. On passe maintenant au deuxième rang. Donc, on tourne notre tricot. Voilà. On fait glisser la première maille. Et on tricote toutes les mailles à l'envers, tout simplement, tout à l'envers. J'ai tourné mon tricot et c'est parti pour le troisième rang qui se tricotera tout à l'endroit. On glisse la première maille et on y va, toutes les mailles à l'endroit, tout simplement. Allez, je tourne encore une fois mon tricot. Et là, on va attaquer le quatrième rang. Ce rang-là, il y a un petit côté technique, mais franchement, vous allez voir, c'est rien de bien méchant, rassurez-vous. Alors, tac, on fait glisser la première maille. On tricote 4 mailles à l'envers. 2, ah, attendez, hop, voilà, 3 et 4. Puis 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi, et 6. De nouveau 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3 et 4, et ainsi de suite. On alterne 4 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang que nous finissons par une maille lisière, donc une maille à l'envers. J'ai tourné mon tricot et je continue. Je fais un rang tout à l'endroit à nouveau en glissant la première maille et tricoter tout à l'endroit. On tourne le tricot, on fait à nouveau glisser la première maille, tac, et on tricote toutes les mailles à l'envers. J'ai tourné mon tricot et j'attaque le rang d'après qui se fait tout à l'endroit également. Allez hop, c'est parti! Toutes les mailles à l'endroit. On tourne notre tricot et on attaque le huitième et dernier rang. Et donc, il faudra toujours répéter en fait ces 8 rangs-là pour le point. Alors, attendez, je vais juste... Voilà. On fait glisser la maille lisière. On tricote 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5, puis 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3 et 4, et ainsi de suite, on tricote 5 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, jusqu'à la fin du rang qu'on finit par une maille à l'envers.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça vous donne des petites chenilles verticales. C'est un point tout mignon, adorable. Et puis j'aime bien parce que c'est original. On peut même le mettre, à mon avis, dans un pull, dans une écharpe. Franchement, moi j'adore. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.